Depuis hier nuit jusque ce matin, nous avons vu des photos sur les réseaux sociaux montrant Monsieur Francis Kalombo un peu affaibli, un peu malade. Nous qui avons l'habitude de le voir toujours chic, toujours bien coiffé, bien habillé, BCBG, parce que nous savons tous, même au Parlement, on l'appelait le mannequin du Parlement lorsqu'il était député national. Donc, il apparaît toujours bien soigné, mais cette fois-ci, on l'a vu un peu affaibli, un peu comme s'il est souffrant, et ça a inquiété plusieurs personnes. Et lui-même, il a reçu plusieurs appels de personnes qui se posent de questions, mais qu'est-ce qui se passe? Il vient de faire une vidéo. Pour démentir toutes les spéculations, tout ce qui se raconte, tout ce qui s'est dit, il se porte bien. Et n'oublions pas, il y a de cela 4 ans, Monsieur Francis Kalombo était en France parce qu'il était malade. Il était malade, il a eu le temps de se faire soigner. Et là, comme il le dit lui-même, qu'il se porte bien. Moi aussi, je le dis, il se porte bien parce que il était vraiment malade en 2018, je crois 2017, 2018. Là, il s'est dit qu'il se porte bien. Il est d'ailleurs sur son lieu de travail. Donc, halte aux spéculations. Monsieur Francis Kalombo, solution, comme on l'aime bien l'appeler, se porte très bien. Écoutez, nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 et je tiens à affirmer et à démentir tout ce qui s'écrit dans les réseaux sociaux. C'est bien important. Et d'ailleurs, je suis dans mon travail. Vous voyez bien que je viens, j'ai audience aujourd'hui, donc je viens aider pour un client. Donc, il ne faut pas suivre tout ce qui se passe. Je suis très très bien, en très bonne santé. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont appelé, qui ont compatis avec moi. Non, je ne suis pas malade, je suis en très bonne santé. Merci beaucoup et que Dieu me fait grâce, me le fasse aussi, la veille du Pâques. Et nous sommes en forme. Merci beaucoup, je suis en forme. Je suis vraiment en forme, donc je n'ai aucun problème de santé. Et Dieu merci, gloire à Dieu et à plus. Merci.